Le carnaval de Sherbrooke a été victime d'actes de vandalisme au centre-ville dans la nuit de vendredi à samedi. Près de la moitié des barres de glace, érigées en prévision du village nocturne, ont été fracassées. Le geste déplorable a été constaté tôt le matin par les bénévoles chargés de construire la glissade de neige sur la côte de la rue King. À 4 heures ce matin, le bord de glace du Cafuccino qui a été vandalisé. Je trouve ça malheureux là, qu'il y ait du monde qui fasse du dommage de même pour le plaisir de faire du dommage. Bien ordinaire. Les barres de glace sont une nouveauté cette année. Ces kiosques décoratifs auraient servi à offrir des rafraîchissements et des bouchées gastronomiques. La direction du carnaval estime les dégâts à 5 000 $. William Levasseur pour Estrie Plus à Sherbrooke.